Et alors, ce que le. Vous n'êtes pas découragé? Mais du tout, on ne peut pas être découragé parce que nous sommes en train de défendre notre patrie. Nous Vous sommes n'avez là. pas l'argent dans la banque, peut-être en ayant peur qu'on va bloquer vos comptes? Mais comment? En Europe, là que vous nous parlez, d'abord c'est un continent vieux. Qu'est-ce qui se produit là-bas? Ils viennent ici pour diviser notre pays, pour balkaniser notre pays, afin qu'ils puissent s'accaparer de notre terre, s'accaparer de notre richesse. Qu'est-ce qu'il y a en Europe pour que j'y aille et garder mon argent, ma fortune? Je pense, je n'ai rien à garder en Europe, je dois garder tout chez moi. Et je pense qu'on est à Goma. Mais à Goma, il y a des COPEC. Dans ces COPEC, je n'ai pas même déposé même un 100 dollars pour que peut-être ces 100 dollars puissent être fructifiés. Et même dans des tontines là qu'on appelle des kirimba, si on le dit en swahili, des kilimba, je n'en ai pas. Parce que celui qui fait les kilimba, c'est celui qui est payé peut-être mensuellement. Alors comment vais-je aller garder l'argent que je n'ai pas entre mes mains en Europe? Et quand je ne parviens pas à les garder à Goma. Croyez-vous qu'elle... Voilà. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Nous sommes là une fois de plus pour vous informer. L'Union européenne. L'Union européenne. L'Union européenne vient de sanctionner. Parce que l'Union européenne y est à sanctionner Kagame, y est à zoanaye pouvoir, à zoanaye courage, y a quoi bah la sanctionner bah au bah au bout de la RDC. Y a un gros monitant au bout de ta cassette même là bas congolais au nous soubali le Libanais mbok. Il faut comprendre ceci. Alors très chers congolais, bino bo kolanda biso de partout. Écoutez. L'Union européenne vient de sanctionner le général Dominique Ndarouche du FDPCMC réagit aux sanctions injustes de l'Union européenne contre sa personne. Rien ne peut nous décourager à défendre notre pays et d'ailleurs, ces sanctions nous fortifient davantage. Même sur le plan de l'Union européenne, semble nous misez-les, nous les résistants, nous ne lâcherons pas. De place au wapi, donc on va tout faire comprendre, bino. Donc on va tout mettre la bino li solo, tout pèse la bino information au nini ba occidentaux, la communauté internationale, pour la bango ba ko préparer contre la République démocratique du Congo. Peut-être certaines personnes ne savent pas, ou soit tu basant la connaissance ou en a des. Écoutez, très chers Congolais. L'Union européenne. L'Union européenne au Boko Monawana. Il est là en train de préparer quelque chose d'avantage. Il y a M23, il y a Paul Kagame. Moi, je ne peux pas croire. Bato bako bundi la école, on a bango bako bundi la mboka la bango. Bino banda ko sanctionner bango. Yango moni nakati ya trêve oyoyo. Le personne qui sont là en train de violer la trêve est allée M23, le RDF, le Rwanda. Mais pour sanctionner le Rwanda, bango ba ko sala yango te. Pour sanctionner Paul Kagame, bango ko sala yango te. Mais pour sanctionner le Wazalendo, sanctionner la RDC bali ba to liboso. C'est pour cela le président de la République. Monsieur le président de la République, na stade autokomi na yango, on n'a plus besoin ya koyoka lisusu la communauté internationale. On n'a plus besoin ya ko se soumettre. On n'a plus besoin de s'agenouiller devant la communauté internationale, d'écouter, d'exécuter ba bloko ba ko loba biso. Parce que depuis que nous avons commencé ya ko vivre na kati ya trêve, ya cesser les faits oyo. Nous avons constaté que non. La trêve aux alliés avantagée pour la M23. Est-ce que tous alliés na misu to ko mona te, tous alliés na mato il peut to ko kanté to ko comprendre te. Le M23 baza ko attaquer biso pendant un moment à cesser le fait,
Le M23 continue toujours d'opérer. Le M23 continue toujours. Il y a que ça, la nyonce, on va voir que ça, la nakatia, ma belle, la buso. Mais on est là, en train d'observer. Mais ce que le wazalendo, barbandi, répondre, répliquer l'attaque à M23, l'Union européenne se lève pour sanctionner le wazalendo. Mais pour sanctionner les M23, Paul Kagame Kara. Monsieur le président de la République, il est temps de prendre des décisions. Bonne guérison tout d'abord, monsieur le président de la République, parce que santé à Mokonzamboka, il faut comprendre, santé à Mokonzamboka, ils allaient tellement. Ils ont bien été. Mokonzamboka, santé, ils ont bien été. Il y a un moment même qui s'en a une place à l'ingaria qui n'a qu'à il soutient parce que la santé du président de la République, ils ont bien été. Alors. Monsieur le président de la République, moi je pense que il faut te rompre relationner tout aux années on a bas occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, la France, ce sont des hypocrites, des gens qui cherchent à tout prix à quoi bas manipuler Bissau. Comment est-ce que le pays est menacé au lieu de soutenir Bissau, le pays qui est menacé? Bozo sanctionner Bissau, l'issue, bozo continuer à sanctionner Bissau. Bozo continuer à sanctionner Bissau. Nyon soit là, ni pour n'occuper sa babéki na Paul Kagame, de venir se remplir, de venir se renforcer pour venir nous attaquer, nous la, le Congolais, nous la RDC. Un plan, oh, wapi bango bazo préparer, bango baza, qu'on planifie pour que non, la République démocratique du Congo est tombée. Et quoi ya? Parce que dans la minute, la RDC, Azan le sous la mouton, pour soutenir, il était peut-être, on peut dire, le Burundi. Mais les États-Unis, Bazan a bisauté. La France, Bazan a bisauté. L'Union européenne, n'en parlons même pas. La personne, oh, peut-être, Tozanaye, oh, peut-être, tout ce qui est allé lié. Makambo, il faut changer, Ezali, la Chine et la Russie. Mais jusque-là, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a pris la décision de tout se rallier, tout ça la compte? Accord, bon, quoi? Ou, ouais, plutôt, ou, 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 Bintou Keita Ayaka Awawa Atali Atala 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 Kei Baba Niko Sela Bisson la déclaration. Bintou Keita a été la première, peut-être la première personne qui a été le Makote le Milamakamba Wazalendo. Baba Makote le Milaba résistant. Ote les résistants là. Bazaba milice. Bazabo Eboui. Pona Bango la RDC doit être exposée. Pona Bango RDC. Peuple a koui kote le maté a bounde la ekolo na yi. Pour na bango souci na bango ezali la RDC, ezala ra ndenge ezawana, babo mabiso ba massacre biso, jusqu'à ce que tu secret il va céder. Ota la pe bien peu bo moni peu bo mokondambo kayem sou sa ou koube la, parce que souci a koube la koube misa la République démocratique du Congo. Parce que, ba effort nyans tout le président de la République a kou sala. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui collaborent avec l'ennemi pour vendre la République démocratique du Congo. De l'autre côté, tout le monde est n'engagé. Bah, comment ils ont créé leur plan? Bah, comment ils ont créé leur faux? Bah, Senya Lukuta. Ngala Robi Ngongo Bongo. Bah, Senya Lukuta. Ote, bah, côté les biso, bah, ils ont attaqué biso. Olive Lembe, laissez la population congolaise tranquille. Nous sommes concentrés sur la guerre de l'Est de la République. Ce qui est bon, c'est que ça sur les scènes politiques. Bon, mais la bise, c'est pas scène à l'Okuta. Comme si qu'elle était. Oh, boui, boui, boui. Non. Non, hein? On n'a pas besoin. Ce qui est bon, c'est que ça sur les scènes politiques. Évitez de nous rencontrer des choses. Eux, ils allaient à l'encontre dans la bise, c'est trop pensé. La minute, c'est une préoccupation de la bise, c'est l'Est de la République. L'Est de la République, des alliés importants. Évitez de nous rencontrer des choses. Oh, ouais, puis peut-être même sous. Oh, bisou, tu vois, ça, la moutou, la bisou. L'Union européenne.
Je vous ai parlé hier sur les missions à propos de Makambuya Kabila. Mais l'Union européenne, la ministre Oyoyo, souci n'a pas les alinim. Va sanctionner Batonia surtout au Bakoubundi la école la biso. En sanctionnant toute personne au Bazaliwana pour la Koubundi la école la biso. Pour la bango, la République démocratique du Congo, tout cause à la source n'a force cité à Koubunda contre Batouana, les M23. Parce que bango va Koloukanine M23. A comme est-ce qu'on a force moro ya makasi? A comme est-ce qu'on a capacité que non? Tous les sous dans la possibilité de faire un peu de temps où il y a l'Est de la République. Parce que tant que tu commences sous la force, si tu as un peu de temps où il y a M23, ne se parle pas, tu sais qu'il faut que tu ne sais pas qu'il faut que tu ne sais pas qu'il négocie. Tu sais qu'il faut que tu ne sais pas qu'il négocie. Ne sais pas qu'il faut que tu ne sais pas. Excusez-moi, je suis enrhumé. Loko la ba utaki déjà qu'on peut s'abuser à embargo, bah donc c'est là qu'il bise à embargo. Bah comme il faut sanctionner bah résistant ou azalendo, en le sanctionnant, il peut s'abuser au défaut. Toko kasu ko bundate, toko kasu ko sa eloko morote, pour qu'en retour, RDC, toko makeno, ah, bon la minute on négocie avec le roi, toi sous na ma capacité, toko kineka ko négocier. C'est ça l'idée de la communauté internationale. Beaucoup sanctionner bah, M23 par hypocrisie. Pourquoi ne pas sanctionner directement Paul Kagame? Yem ta ko soutenir les M23. Yem ta ko financer. Yem ta ko sa la nyon soto. Pourquoi je dis ça? Boyo kanan makambo, Gilles Moulumba Alobi, Dominique. Dominique Kamandi et Gilles Moulumba. Bato yo l'Union européenne a sanctionné. Bah. J'ai reçu cette sanction comme un salut. J'ai été comblé de joie de voir que notre travail fait déjà mal à nos ennemis qui se cachent derrière le Rwanda. Nous allons maintenant réajuster le tir pour bien viser l'ennemi de notre pays. Je n'ai aucun dollar dans une banque ni à Goma ni en Europe. Ces sanctions me fortifient. Nous devons être sanctionnés par les populations que nous sécurisons, et non par les étrangers. Si cette population a toujours confiance en moi, je ne vois pas pourquoi c'est l'Union européenne qui doit venir me sanctionner, a déclaré Dominique Kamandi Ndarouche. Même réaction pour Gilles Moulumba Mbiche, l'Union européenne, Bayres de fond de Kagame, dans cette guerre d'agression contre notre pays, nous a collé les sanctions dans l'espoir de nous dissuader dans notre lutte. Ça ne passera pas. Nous tiendrons jusqu'au bout, dit-il. Bande kolanga ba wazalendo, quelle que soit sanction, il y a une européenne, des vrais wazalendo. Nous allons se battre. Nous allons nous battre contre les ennemis de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a sanctionné Bissot pour la raison que non, n'est-ce pas qu'on bounde la école de Bissot. Bah, on sanctionné Bissot parce que bah, Monique, non, tous ont un souci à Mboka na Bissot. L'Union européenne pensait peut-être que non, en nous sanctionnant, toko l'embissa ma boko. Celle sanction ou peut-être écoute biso ma ezali soki population a sanctionné biso. Mais loko la population a la confiance na biso ba vrai wazalendo, nous allons nous battre. Quel que soit sanction ba M23 koutou ba corneille nanga ba sanctionné bango mais ba ko bundaka ba ko massacrer population et bongo biso ba kolomboka. Biso ba vrai wazalendo ya ba fumu kimbangu jamais tokotika. Parce que nous avons comprendre ce que complot les États-Unis, complot les Union européenne, il y a l'Occident. Parce que l'Occident va sanctionner Bissot pour l'embissa Bissot pour que les Rwandais aient ma casse, ils vont coincer Bissot. Allez, après, Bissot va cesser l'effet, il y a tant de la paix
ne se négocie jamais. Kimia, ce qui est à l'essai, masasi masasi. Biso moko makbakolo mabele, ce qui to telemite. Moto moko te akoya ko teleme a contre pour la biso. Tout à la qui na confiance à la communauté internationale, n'y a pas ça, à part Kusunga. Kagame, ya ko continue ko bo mabiso. Est-ce que nous allons toujours continuer? Est-ce que nous allons toujours accepter de collaborer avec les Européens, les Américains? Je ne pense pas. Des sanctions médiocres. Des sanctions européennes payer pour nous briser Bissot. Parce que bah, comme il faut comprendre que non, Bissot n'est pas aux abonnés. Souci n'a Bissot et Zali. Loco la FARDC. FARDC. Les sanctions de la communauté internationale, ils allaient pour faciliter les Rwandais, y a quoi attaquer Bissot, à renforcer ma position là, pour que Bissot, tout en dessous dans ma casse, y a quoi bundate. Y a un gros moni beaucoup remarqué, sanctions à Bangui Zalaka contre Bissot. Bah, Paul Kagame, bah, dans les bateaux, il faut pas sanctionner, mais Bangui, bah, qu'on sanctionne Bangui. Eh, écoutez. Comme toujours, le Rwanda a représenté les terroristes du M23 à Luanda. Kagame est tombé devant la stratégie de Kinshasa. Les discussions de Luanda prouvent que Paul Kagame est le chef de ce groupe terroriste qui est le M23. De ce fait, il est responsable des crimes commis par ces terroristes en RDC. Le M23, c'est Kagame. Malgré ton dénoncé, malgré ton lobby. Si réellement Paul Kagame Azali M23T Azali yetem ta ko soutenir le M23, pourquoi il a représenté le M23 dans Luanda? Au moins tant to ko loba kenon ba communauté internationale ba zakana sima ya Paul Kagame e belé ba ko boule le roi to ko kosa. Paul Kagame awanga na ka totalement kenon le M23 Azali yayi. Paul Kagame nie toujours jusqu'à preuve du compte, jusqu'à présent. Paul Kagame a tika la jamais qu'on dit maintenant les M23 j'ai la canaille. Mais ce que Zali, qu'on représente les M23 pour négocier, pour n'a pas qu'on solo là. Il est la première personne qui a continué à envoyer n'a pas qu'on solo là. Na Luanda, ah, bah, ou tu qu'on solo là, ah, les M23, bah, là, qui présentait, représenté plutôt par Paul Kagame. Vous voyez un peu comment est-ce que la communauté internationale na kata makambo a allé à 100%. Alors que biso to vandia wa to zela ka cesser le feu ici là pour que Dieu va la kobunda la M23. Mais c'est le président de la République. Le jour biso to kozwa décision to betia ta missile moko na Rwanda ta na résidence à Paul Kagame. Je pense que Paul Kagame a routika ba buso ba ko ça. Ouais. Parce que tu, Paul Kagame, as la Kabouya, dans un soutien total à la communauté internationale. Mais le jour où tu as une décision, tu as dit, cette fois-ci, tu as un katingengi. Et bébé, bakaka. Tu as largué des missiles, kaka. Dans Rwanda. Je pense que le jour-là, Paul Kagame a récupéré tous les M23 bazons à Rwanda. Mais comme on est là en train de croiser les bras, tu vas dire, tu as cessé le feu ici, là. Tovani to kobele la ka communauté internationale. To kobele la ka communauté internationale. To kobele la ka communauté internationale. Depuis qu'on a commencé, ya kobele la ka communauté internationale. Jusqu'à présent, communauté internationale a kosa et l'autre côté. Au contraire, communauté internationale, il est complice. Au contraire, communauté internationale a kopé sa ba milliards de dollars, ba millions de dollars, il paye Paul Kagame. Ba ko ravitaye Paul Kagame. Bounagana, il y a place où il y a ravitaillement. Ba munition, ba homme, ba kokota à travers Bounagana, ba kote à travers Bounagana, pan, ba outi à Uganda. On a dénoncé. Comment est-ce que, nakati à Uganda, le chef de M23 AFC, il y a un groupe où on a dit tout va aller loger dans Uganda. Mais le gouvernement jusqu'à présent a continué à renforcer coopération militaire dans Uganda. On se pose la question. Est-ce que le gouvernement a un souci à peuple congolais? Tout le gouvernement
Il y a un souci à peuple congolais. Parce que si réellement le gouvernement a un souci, il y a peuple congolais, tout le monde qui te rompre directement, n'accord autres à la qui n'aingo, autres à la canaingo avec l'Ouganda. Mais le gouvernement congolais continue jusqu'à présent de collaborer avec l'Ouganda. Bolingo et Sabisoni. Je me fais comprendre. Et ça passe. Pendant 18 ans, un Rwandais a dirigé notre pays. Il a signé des accords favorisant l'infiltration des Rwandais au sein de l'armée congolaise. Il a nommé des militaires rwandais à la tête de grandes unités du FARDC. Nos services de sécurité étaient à la merci du Rwanda. Plusieurs sources qualifieraient Kabila des responsables de l'AFC M23. Avant Koutou, Baba Touba Bandakode, Koulouba Kéote, Kabila Ndazali Motouya M23, Azali Wazali, Toulouba Yango Naba Mission Ebele. Kabila, comme il est là, je peux dire que non, Azali, première sponsor ya M23 AFC. Pourquoi les M23 AFC? Bango ba 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 Kabila a mieux géré le pays. Kabila a zala ki bien abissou. Parce que Kabila, et bien là, ba ko comprendre te. Kabila, quand il était au pouvoir, l'armée congolaise a été tellement infiltrée dans nenge moko ko sakadante. J'espère et bien là, boko se rappeler, ils ala so ki marche salami na mboka. Ba militaire ba bimba na ko bima pour na koya ko calme bato ba ko tumba ba piné ba ko réclamer Kabila kende so ki otali ba bilongi na bango bien même na kati ya police il y avait des Rwandais o bazala ki wana au service de Kabila. Kabila avait infiltré le pays. Kabila sala nyonso tout pour que les Rwandais ba ko ma 100% na kati ya mboka na biso. Kabila Lukandenge nyo surtout comment est-ce que le Congo est comment infiltré pour que y aille la kovanda qui bien en boka la bisou. Kabila sala nyo surtout pour que le Congo lelo tous à la tana possibilité te ya kweba la koza la kimia. Kabila a signé les accords avec le Rwanda. Kabila a tout fait pour que non le Rwanda est comment ma kasi lelo o biso lelo. Tokomi pe le lope Rwanda pe akomi pe ko nyoko la biso na manière mosusu. Le pays mukie lokola Rwanda akomati na niveau ya ko coincer la République démocratique du Congo. Yangalo moni to ko ba mukonza mboka. Monsieur le président de la République. To yebi ke constitution e ko protéger Kabila. Mais le jour où bino boko zwa décision ya ko coincer Kabila, boko kanga Kabila, dès le jour là, to ko mona même ba groupes armés mususu ezali pro Rwanda, ba ko banda ko se dénoncer. Corneille Nanga, il est pour Kabila. Ba M23 ba Bertrand Missou, bango nyansu ba yebi chef na bango c'est Kabila. Bango nyansu to ba yebi ke Kabila nde mutazali chef na bango. Peut-être après Kagame, c'est Kabila. Ou soit après Kabila, c'est Paul Kagame. Parce que on avait un président, Oazala qui congolais de père et de mère, Tenambo Kanabiso, a dirigé Biso plus de 18 ans. Néanmoins, les Occidentaux, vu que Kabila, il était facile à manipuler, l'Okola va manipuler Kabila, parce que Kabila a un souci à Congo. Kabila n'était pas congolais de père et de mère. Contrairement à Nyons Touba Loba Ranabissou. Yon on a yon kipe Olive Lembe, a lobi ango le sous l'interview, ba outu ou sa la e kalming ta ou ba kosibiso ki ou ba attaque bango. A lobi ke lote, to botama awa, to zali ba Congolais de père et de mère, to tangi awa wa. Est-ce que Olive Lembe a koki ko la kisabiso ba identité à Kabila? A l'exception tata ya Kabila, mama ya Kabila. Ye pe a misele biso ba identité na e. Parce que bayebi alobi na biso ke no ba botama a batanga a. Alex a biso ataba na classe ya Kabila.
Eh, bah, na classe, bon, toki, tolong la rana identité. Alan, sabi, soka, bah, na classe, ya Kabila, ou bah, tanga na Kabila. Kenote, yé, tanga na Kabila, 6e primaire. Yé, yu, moi, na classe, à Kabila, bango, yé, a témoigné les bisous. Soki, bah, kouyako, monte les bisous scénario. Kabila n'a jamais été congolais de père et de mère. Je le répète. Kabila, c'est un étranger. Moto amande foya kana ba caoutchouc, ba bouti ya caoutchouc. Il est venu en République démocratique du Congo à s'installer, à eu pouvoir à Vandi. Lelo ba komi ko bimisa la biso, ba dossier que non il est congolais de père et de mère. Je ferme la parenthèse. Le jour où le gouvernement congolais tokozwa décision d'arrêter Kabila, tokozwa décision yako coincer Kabila, dès le jour là toko comprendre et puis ma vérité ya makase kobima ya ndenge ya kosakana te, parce que jusque là lokola Kabila aza libre akotambola ndenge ya swa lingi. Il est libre, il fait tout ce qu'il veut. Guerre, il y a STP et aussi la T. Le vrai problème de la RDC, c'est Kabila. Kabila a signé les accords. Kabila a infiltré. Kabila a signé le brassage, mixage au sein de l'armée. Le lot au comique au Léla, la 4 armée. Trahison, la 4 armée. Des gens, bah, j'ai eu information. Bah, PC, bah, Rwandais. Toko sa la plan morobo te, attaque morobo, photo sa la attaque morobo, to beti ma solo bien. Mais au komona, le jour to lingi to lancer, attaque, boy, au komona de ba M23 va suivre ma position déjà. L'infiltration au sein de l'armée. Plus de 18 ans qu'on a été infiltré, service de renseignement congolais, ils ont acquis na Rwanda. Donc na Rwanda, ba neko zola biso na ba décision misus. Et puis dernièrement, ma kele le mort bima kawa. Malgré tout, tout l'année la gaye en gote. Ba ma kele le mort bima kawa. Kele ote, il paraît que réseau a frissé les arayaba rwandais. Il paraît que réseau a frissé les arayaba rwandais. Et puis chose grave, les alli kenon. To ya ke le susu koyo ka kenon. Serveur central, ya République démocratique du Congo, ils arrivent dans Rwanda. Donc cela veut dire kenon. Ba information ma kamunyansu tout au solo laka. Paul Kagame ayo kakayango. Non, nyon, surtout au biso to planifiaka. Paul Kagame a la recourant. Ale moto ya bongo, moumouna, un groupe de gens, un groupe de Congolais, ba zape de père et de mère te, ba ndi kolo ba keno te, Kabila azonga la pouvoir. Kabila azonga la pouvoir. Et puis ba raconte, hein, ton ba lo ba bongo, ba za très content. Très content. Pour moi, je suis un bazali batomoko ba ko luka ko ba la ko bomande mboka. Jamais na koki ko lala na loti Kabila zongi na pouvoir et puis na continuer ndo to na titongo na ko sutuka na bandi ko pamela yango. Na ko ko lota ndo to te Kabila zongi na pouvoir et puis na continuer pe na ndo to wana. Je pense que na kati ya ndo to wana na kozala de na kanda na lamuki no bina na saliba service na bengi ba prophète la nga Isaac Mabonja bani ko sambela po na nga. Parce qu'un Congolais de père et de mère ne peut jamais accepter le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Qui ne sait pas que Kabila avait trahi le pays? Qui ne sait pas que Kabila, il a été la personne au Wapi? Alors, il y a la malheur, il y a un Congolais. Pendant 18 ans à Kabila, on n'avait pas liberté d'expression. Pendant le régime, il y a Kabila, pendant que Kabila il était au pouvoir. Tous avec le rang d'esclavagisme. Mais le loi avec Félix André Tshisekedi, liberté d'expression. Tout comme il y a le tout comme il marché paix. Mais tant que Kabila a été beaucoup dit, il suffit pour lobby qui a été fait pour bandit qui bêta. Mais comment on a un groupe de gens, ils sont là, en train de réclamer le retour de Kabila. Parce que le roi de Francine Muyumba, on se demande vraiment s'il est réellement congolais, des congolaises de père et de mère. Ça m'étonne, hein? Merci de nous avoir suivis. Tukutani Mbalasima.